Allô Athéna, coucou, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les filles? De la peinture. De la peinture, ça fait longtemps, c'est un petit peu comme le Paint Yourself Food Challenge. Peut-être que je montrerai vos précédentes œuvres pendant que vous peindrez tout à l'heure. Sauf que là, on va peindre quoi? Des paysages. Non, en fait, vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous allez peindre. On sait pas trop, mais des sortes de paysages avec des personnages. Ouais, c'est une idée inspirée de Cali, c'est qu'en fait, elles vont piocher des petits papiers. D'abord, un petit papier du personnage principal. Après, un petit papier de l'ambiance dans lequel sera le personnage principal. Et après, un petit papier d'un objet qu'il aura avec lui. Dans la main, ou avec lui, ou dessus, ou en dessous, peu importe. Un chien. Il faut mettre les trois sur votre jolie peinture. Alors, je vais chercher les petits papiers. On va commencer par le personnage. J'ai mis ça dans un vermiquet. Il y a 6 personnages différents, rigolos, vous aimez bien. Alors, choisissez un personnage au hasard. Elles ne savent pas du tout lesquels j'ai mis dedans. Alors, attends. Ok. Attention. Allez, ouvrez votre petit papier en même temps. Donc, Athéna, tu vas dessiner quoi? Athéna, tu vas dessiner Pikachu. Pikachu. Et toi? Nemo et Dory. Dory ou Nemo, en fait. Voilà, j'ai mis un slash en fonction de ce que tu préfères. Dory ou Nemo, d'accord? Nemo, tu choisis. C'est sûr. Maintenant, l'ambiance. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elles vont tirer comme ambiance? Est-ce que ça va être Picasso? Est-ce que ça va être autre chose? Alors, attention, vous êtes prêtes, les filles? Yeah. Alors, si vous êtes prêtes, ouvrez vos papiers. 3, 2, 1... Troisième. Ah, c'est quoi ça, Athéna? Un petit peu l'espace. Ouais, science-fiction, ambiance science-fiction, futur, donc dans l'espace, avec du robot, ce que tu veux, avec un 2D2, voilà, bref. Ouais. C'est ça l'espace, la science-fiction. Et toi? Croisière ou piscine? Voilà. Ça va bien avec Nemo. C'est vrai, mais il faut que ce soit rigolo. Nemo, c'est comme tu veux, tu peux mettre Nemo dans une piscine ou sur un bateau. Et maintenant, l'objet, vous avez pioché un objet, est-ce que ça sera, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un aspirateur, ça peut être, voilà, quelque chose qui va être avec l'ambiance. Un objet qui va aller avec l'ambiance générale du dessin, attention, ouvrez vos papiers. Double. Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi? Si, t'es là, ça va être rigolo. Non. C'est quoi? Mais si, ça va être rigolo. Non. C'est quoi? C'est ça qui est drôle. Non. Avec mort de rire, Caillou. Non. Il faut que tu dessines Pikachu en tutu dans l'espace, en fiction. Et toi, c'est drôle aussi. Tu dessines Nemo à la piscine ou en croisière. Avec une trottinette. Avec une trottinette. Nemo en trottinette, ça va être rigolo. Attention, c'est parti, hein. Allez-y, vous avez votre peinture par terre, vous avez vos palettes. Alors, Cali, ça y est, t'es prête? On a du blanc et du orange pour commencer. C'est pour Nemo. Oui, c'est vrai. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire quand même, vous avez le droit d'avoir un modèle, c'est vraiment où vous voulez. Ah, c'est vrai. Ouais. Allez, je vous laisse 1 minute chrono pour chercher un modèle. Ça va toi, Athéna, pas besoin de modèle? Ah, si, il y a un modèle de Pikachu. Tu veux Pikachu qui est sur la bande d'arcade? Oui. Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika. Pika Pika. Regarde. Ah, voilà. Gel douche, ok, ça va, c'est parti. Bravo, t'as mis moins d'une minute. Et nous avons Pikachu ici. Je sens que ça va être fun cette vidéo. Et c'est parti, première application de peinture pour Calice qui a démarré. Pas pour moi. Après, il faudra dessiner un bateau. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire une piscine, une croisière? Et c'est vous en commentaire qui dirait lequel est le plus joli, en sachant bien sûr qu'Athéna est un peu plus jeune, voilà, c'est. La technique est un peu moins certaine, on va dire, chez Athéna, mais ça n'empêche pas qu'elle va pouvoir faire un magnifique dessin. Tu veux que je t'aide, Athéna? Oui. Toutes les peintures, s'il te plaît. Bon, ça avance bien hein, chez Caïs. Alors, bien sûr, je ne veux pas vous montrer l'avancée au fur et à mesure des tableaux. Voilà, on vous montrera ça à la fin. Voilà, pour l'instant, c'est le début chez Caïs. Du blanc sur blanc, c'est sympa. Papa, je mets du blanc ouais. Déjà. Et c'est parti pour Athéna. Ah, on va quand même regarder. Je vais quand même filmer sa première application. Le soleil ou Pikachu. C'est rigolo ce challenge. Oui. Ah, j'en profite pour vous montrer
maintenant les précédentes œuvres. Alors déjà, on avait fait un challenge sur t-shirt et vous êtes en train de porter ces t-shirts d'ailleurs en ce moment. Et on avait fait également deux autres challenges où vous vous êtes fait, comment dire, vous avez fait un autoportrait. Voilà, chacune d'entre vous, vous vous êtes peinte vous-même. Et un autre challenge où vous avez peint votre sœur. Voilà, vous vous êtes peinte mutuellement. Alors, je vais vous chercher ça. Alors, pour commencer, souvenez-vous, c'est quand Calice avait fait son autoportrait. Voilà. C'était très joli, je trouve. Dites-moi en commentaire si vous aimez l'autoportrait de Calice. Il y avait également l'autoportrait d'Athéna. Alors, l'autoportrait d'Athéna. Tadam! Bon, elle a des grands yeux, Athéna. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez également cette autoportrait. Pardon, Sophie? Je crois que j'étais en grande section, moi. Hein. Donc, j'avais pas encore appris à faire des petits. Ouais, c'est vrai, non, elle était jeune, c'est vrai. J'avais pas encore appris à faire des beaux yeux, quand même, comme Calice. J'avais pas encore appris à faire ça. Tu as tout à fait raison, je les mets là parce qu'elles sont quand même jolies. Et maintenant, je vais chercher les peintures quand vous êtes peintes mutuellement. Et voilà, maintenant, j'ai la peinture quand Calice a peint sa sœur. Regardez. Très jolie aussi, je trouve. Waouh! Avec la signature de Calice. Voilà, vous n'oubliez pas de signer d'ailleurs. Et maintenant, la peinture qu'a faite Athéna quand elle a peint sa sœur. Alors, je crois qu'elle a rajouté l'ambiance Halloween pour le coup. Attention, non, c'est mignon. Voici Calice, fait par Athéna. Hey, t'avais quel âge, Athéna? T'avais 5 ou 6 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. 6 ans. Voilà. En tout cas, waouh! Il est trop joli quand même. Ah, ouais, je reconnais son rayon. Donc là, pour l'instant, je ne vous montre pas ce que sont en train de peindre Calice et Athéna. Ce sera la surprise finale. Moi, je vais le filmer maintenant, peut-être que je le montrerai à la fin, voilà, ouais. Pour voir l'évolution. Attention, regardez. Waouh, Nemo commence à prendre forme. Et là, nous avons Pikachu. Mais après, ce qui est important, attention, dans la notation, en tout cas dans votre avis, c'est est-ce qu'il y aura bien l'ambiance qui sera là? Est-ce qu'il y aura bien l'ambiance du futur, science-fiction, espace, robot, voilà, pour Athéna? Est-ce qu'il y aura bien l'ambiance croisière ou piscine? Pas la mer, hein. Croisière ou piscine pour Calice. Est-ce qu'il y aura au niveau de l'objet le tutu pour Athéna? Ou est-ce que sera le tutu de Pikachu? Je ne sais pas. Et où sera la trottinette de Nemo? Je ne sais pas. Après, il ne faut pas la mettre dans un coin. Il faut quand même qu'il y ait une interaction avec le personnage. Ah bon? Ah, quand même, oui. Si tu mets juste une trottinette ici, tu peux, mais ça sera un petit peu hors sujet. Moi, j'aimerais bien voir, enfin, tu fais ce que tu veux, mais Nemo sur une trottinette ou au Pikachu en tutu, ça vaudrait son pesant de cacahuètes. Allez, d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on les aperçoit au-dessus des peintures, pour vous dire que, eh bien, il y a toujours les cahiers de texte. Oui, mais on n'est pas là pour faire notre promo. Non, non, surtout pas. L'agenda scolaire 2019-2020, et bien sûr, le coffret Back to School, rentrée scolaire avec l'agenda, la règle, le crayon de papier, la petite gomme, studio, bubble tea, qui va bien. Voilà. Et ça, vous pouvez les retrouver partout. Je te dis qu'on n'est pas là pour faire notre promo. Non, mais non, mais un petit peu quand même. Non. En tout cas, voilà, je sais que vous avez été déjà très nombreux à les avoir achetés. Merci beaucoup, il y a eu beaucoup de retours, très sympa. Vous avez adoré, parce qu'il y a des devinettes, il y a des photos, il y a des petites anecdotes, voilà, sur nous, même sur moi. Voilà, donc allez-y, faites-vous plaisir pour la rentrée scolaire, et puis également les petites boîtes de jeux. Voilà, petite boîte de Calice, petite boîte de jeux d'Athéna, donc en fonction des différents âges. La boîte de Calice, voilà, c'est plus à partir de 8 ans, je crois, et la boîte, c'est ça, et la boîte d'Athéna à partir de 6 ans, voilà. Et je sais que vous avez été également assez nombreux à avoir acheté ces petites boîtes de jeux et à avoir joué avec cet été. Alors, ça avance bien? Oh, mais il est rigolo ton Pikachu, Athéna. C'est bien, un challenge comme ça, vous êtes nombreux à avoir redemandé, vous avez aimé ce challenge. En plus, on est seuls à les avoir fait pour l'instant sur YouTube, en français en tout cas. Et c'est plutôt rigolo, c'est créatif, c'est ludique.
Allez, on va refaire un petit tour du côté des toiles de Calissate. Oh, comme il est beau ce Pikachu! Ah, mais les mots commencent à prendre forme. C'est pas évident en plus, hein, directement en peinture, comme ça, sans donner un petit coup de crayon avant. Bravo. 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 Donc là, au montage, on peut voir que les toiles de Calissate Athéna sont floutées, parce que c'est pour vous réserver la surprise, bien sûr, à la fin. Voilà. Ça te plaît pas, Athéna? Oh, c'est pas très grave. Alors, en fait, il y a une peinture que j'ai faite quand j'avais 17 ans d'ailleurs. Pardon, parce que c'est à côté en fait. J'ai fait du rangement, après j'ai retrouvé ça. C'est mignon. Une guitare, voilà, un ange qui fait de la guitare. C'était très rock, voilà. Magnifique peinture, vous pouvez voir, de Calissate et Athéna. Prendre forme. Oui. Ça va bientôt toucher à la fin. Hein. Après, là, t'es pas obligé de remplir l'espace comme le fait Calissate. Hein. Tu vois, c'est toi qui sens quand tu es content de ta toile. En fait, c'est un mélange de Pikachu et de Stitch. Un petit peu. Bah, c'est pas mal du tout ça, hein. C'est pas mal, non? Ah oui, c'est pas mal. T'es sur les touches, hein? Yes! Bon, bah voilà, regarde, elle va terminer tranquillement. Leur peinture, parce que là, ça touche à la fin bientôt. Donc on va se retrouver là maintenant tout de suite pour découvrir les œuvres de Calissate et Athéna. Vous allez voir, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup, c'est même très très bien, parce que toutes les contraintes piochées ont été appliquées sur cette toile. Et en plus, elles sont jolies et très différentes, encore une fois, l'une de l'autre. Vous avez chacune votre style propre. Allez, à tout de suite pour voir les œuvres de Calissate. Ça y est, il est prêt ton Pikachu, Athéna ? Waouh ! Vous avez fini toutes les deux vos peintures. On va commencer par qui ? Par Calissate. Attends, la peinture plein de voir. Alors, c'est toi, bien sûr, qui va retourner très très bon pour montrer. Oh, petit copain. Attention. Alors, Calissate, est-ce que tu es prête à nous montrer ta magnifique peinture ? Donc, je rappelle le thème, c'était... Nemo, trottinette, en croisière. Voilà, d'accord. Nemo qui fait de la trottinette en croisière. Attention. 3, 2, 1. Waouh ! Alors, qu'est-ce que t'en penses, Athéna ? Trop joli. Trop joli. Donc, présente-nous cette magnifique peinture, Calissate. Ben, c'est Nemo avec la trottinette en croisière. Donc, Nemo, il est là ? Non ! Il est là, oui. Dans un bocal, non ? Oui. C'est ça. Et là, nous avons la trottinette. J'ai eu du mal au début à reconnaître la trottinette. Je pensais que tu faisais un pont, je vois. Donc ça, c'est le guidon de la trottinette. Oui. Ouais. Et les roues, elles sont ici. Et la croisière. Ah oui, il y a le bateau Disney, d'où la tête de Mickey, avec le toboggan qui relie les deux cheminées. Oui. C'est ça. C'est le Dreams. C'est le Disney Dream. On avait fait une croisière. Où le soleil se couche.
C'est magnifique, voilà. Maintenant, on va voir la peinture d'Athéna. Attention, Athéna, je vous rappelle le thème. Athéna, c'était quoi? C'était Pikachu, et un futuriste, et... Attends. Et le tutu. Voilà, Pikachu avec un tutu dans l'espace ou de manière futuriste. Attention, 3, 2, 1. Wouh! Ah là là. Donc, alors présente-nous cette magnifique peinture. Là, c'est Pikachu, là, il y a plein de météorites. Ah, je crois que c'était des coccinelles de l'espace, moi, au début. Là, il y a le soleil. Ouais. Là, il y a Pika en tutu. Avec des petits pois rouges. Ah, génial, bah, il y a tout. Et là, c'est un tutu salopette. Un tutu salopette. C'est quoi, là? Ça c'est la lumière. Ah, c'est des lumières, c'est des néons, les néons futuristes. Oui, et là, science-fiction. Et ça, il est bien parce qu'en fait, il y a plein de petits points mauves là et des petites antennes. Des antennes d'extraterrestres? Oui. Et ça, c'est une tenue de cosmonaute en fait, c'est pour respirer dans l'espace? Oui. Ah. Bah, on peut dire que tout y est. Hein. Et ça, c'est les extraterrestres. Je pensais pas un jour. Ah, d'accord. C'est des copains des coccinelles de l'espace. Non, c'est des météorites. Moi, j'aime bien les coccinelles de l'espace. C'est rigolo. Au début, Calice, elle a cru que ça, c'était une météorite. Ouais. Et toi, Calice, tu aimes bien la peinture de ta soeur? Ouais. Elle est plus vieille que la tienne? Non. Et toi, Athéna, tu aimes bien la peinture de ta soeur? Oui. Elle est plus vieille que la tienne? Non. Alors donc, dites-nous en commentaire, vous, lequel vous préférez entre le Pikachu en tutu dans l'espace d'Athéna ou le Nemo qui fait de la trottinette lors d'une croisière. On peut voir le bateau derrière, au fond, avec le soleil couchant. Enfin, c'est ça, je suppose, de la couleur orangée. Oui. On adorait voir le lever ou le coucher du soleil. Avec une tête de Mickey. Donc, dites-nous en commentaire. Bien sûr, Athéna est un peu plus jeune, donc c'est un peu plus dur au niveau de la technique. Donc, hormis la technique, quel dessin, quelle ambiance, quel style vous préférez? Voilà, quelle imagination vous préférez? Bon, bah moi j'aime bien les deux. C'est difficile hein, pour moi de choisir. Donc moi j'aime bien les deux. Donc c'est égalité pour moi. Voilà, c'est subjectif en plus. Ouais, Nemo est très très bien fait. Moi j'adore Tutu. Le Pikachu en tutu. Il fallait oser. Moi j'aime beaucoup. Bravo. C'est Pikachu en tutu salopette. Ah, bah moi c'est bien. Moi c'est parfait. Et j'adore les coccinelles de l'espace aussi. Franchement, ça m'a fait rire. Et pendant qu'elles sont en train de débattre sur la peinture, faites la même chose chez vous, en famille, entre copains, entre sœurs, entre frères, entre copines. C'est trop rigolo. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce challenge, le quatrième Puchant. On a déjà fait les T-shirts. Voilà, la musique T-shirt. On a vu les deux peintures, vous avez vu les autres portraits, etc. Allez voir la vidéo d'ailleurs. Allez voir la playlist que je vous mets en haut à droite par là. Ah bah la fignole. Attends, c'est ta peinture, tu l'as signée, c'est parfait. On se retrouve bientôt sur Scribble Bubble Tea. Les filles, vous avez aimé cette vidéo? C'est trop chou. Allez bien, Athéna, bien faire un gros bisou petit copain et puis on se retrouve bientôt d'ici là. Je vous laisse à la fusion les filles. Salut.